Donc Maxime, donc pour la vidéo, hein, je te présente Laurie qui va faire la séance pour toi. Voilà. Et puis Laurie, je te présente Maxime, donc pour qui tu vas faire cette séance. On t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Alors, Voilà. sur ce qui concerne ma santé, je suis globalement en bonne santé. Oui. Mis à part, il y a quelques semaines, j'avais très souvent des pointes au cœur. Très D'accord. souvent. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a une origine spécifique, mais en tout cas, On ne c'est. cherche pas de supposition, tu m'exposes simplement le problème et puis le reste, on en fera une autre affaire. Donc, Hein? voilà. Mis à part ça, je suis en bonne santé. J'ai plutôt de la chance. Et ensuite, sur les prochains points, j'ai un problème de dépendance affective, une très grosse dépendance, et ce qui fait que ça, je pense que ça agit sur les relations amoureuses, ou en tout cas celles qui pourraient devenir sérieuses. Voilà. Ensuite, Comment un ça se deuxième problème. traduit dans tes relations amoureuses alors? Comment tu Bah, sais que tu c'est-à-dire es en que. dépendance affective? Comment ça se passe? Bah, c'est-à-dire que ça amène souvent à pas grand chose, enfin en tout cas pas grand chose de sérieux pour la relation amoureuse, et ça m'affecte plus que ça ne devrait l'être, en tout cas. Donc je pense que oui, j'ai un souci de Tu veux dépendance dire ce qui affective et je t'est. m'attache un petit peu trop, un petit peu trop rapidement. Ce qui veut dire ce qui Voilà. t'affecte, c'est la rupture de la relation amoureuse, c'est ça? Entre autres, oui, mais ça m'affecte plus que que ça devrait l'être, en tout cas. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que tu appelles la dépendance affective. Entre autres, voilà. Bah, pour résumer, globalement, ce serait ça. Ouais. Voilà. Bon, on verra ça. Ensuite, un autre point, c'est sur ma procrastination, qui est assez élevée, une énorme flemme. C'est très compliqué pour moi de me motiver, mais assez compliqué, surtout en ce moment, là, ça fait quelques mois déjà. Donc, voilà, travailler là-dessus. Ok, Et donc ce ensuite. qui veut dire que tu remets au lendemain ce que tu peux faire, ce que tu devrais faire aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, voilà. Et Mais. tu recommences comme ça. À un niveau olympique, quoi. Voilà. Bon, ok. On va aller voir cette performance. D'où ça Voilà. vient? Et ensuite, un autre point, c'est que j'ai souvent une insatisfaction, que ce soit dans mon travail ou dans d'autres domaines de la vie. C'est-à-dire que je fantasme souvent un projet, et une fois que ce projet est réalisé, ben, je suis insatisfait, alors que je l'ai espéré pendant longtemps, et je cherche juste après à faire quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai une insatisfaction pour quelque chose que j'ai longtemps espéré. Voilà. Bien. Ok. Bon, bah, écoute, ça nous fait un petit support. Qu'est-ce que t'en penses, Laurie? Bon, eh bien, écoute, on va partir pour l'aventure. Je vais te laisser couper le son, Maxime. Et puis, bah, Laurie, si tu te sens prête. Alors, c'est parti. Maintenant que tu es installé confortablement, tu m'entends suffisamment, Laurie, hein? C'est parfait, oui. D'accord. Alors, à présent que tu es installé confortablement, que tes paupières sont tranquillement fermées, tu peux remarquer ta respiration et l'air qui entre. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence, sachant que nous partons donc de 310. Oui, 310. 310, ok. Je te laisse augmenter. Tu cherches le palier, donc confortable pour toi, où tu te sens en sécurité. Comment te sens-tu à 29 000? Bien. Ok. Alors, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 180. Je te laisse, donc pardon, je m'aligne sur toi à 29 000. Oui, c'est bien. Et je te laisse te connecter sur Maxime et dis-moi comment tu le vois globalement. Il y a comme un déséquilibre, il y a une partie comme une partie lumineuse et une partie sombre. Cette partie sombre, c'est comme une partie vide de quelque chose qui est aspiré ailleurs, ou qui est ailleurs, je ne sais pas. D'accord. Et ça crée.
comme une recherche, comme des rebonds, comme quelque chose d'assez inconfortable dans le corps, quelque chose qui n'est jamais vraiment posé en fait. Et du coup, il y a comme un conflit d'énergie entre quelque chose qui voudrait se poser et quelque chose qui est toujours en recherche. Mmh. Et ça crée une désorientation aussi, quelque chose qui ne se stabilise pas. Vois-tu d'autres? Ça a des répercussions sur... comme s'il n'était pas entièrement incarné, ça fait une sorte de vibration désagréable jusque dans les épaules. Mmh. Et... voilà, c'est entre de la fuite et... Oui, un certain vide, je ne saurais pas dire. D'accord. Alors, quelle est cette partie de lui qui est dans cette recherche, donc celle qui est aspirée? J'ai l'impression que ce serait une de ses parties, un de ses corps ou quelque chose qui aurait été hameçonné. Jusqu'au pied droit. Qu'est-ce que tu vois au pied droit? Un hameçon, une accroche, quelque chose de rigide. Et ça prend comme une botte après. Mais sur un seul des deux pieds. L'autre, il a l'air libre et plus, plus relax. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui lui crée comme problème cet hameçon au pied droit? Ben, ça fait un froid, une ombre, quelque chose qui le pénètre et qui le déséquilibre. Et c'est comme s'il avait la tête à l'envers, en fait. Ou en tout cas, il y a une partie de lui qui est à l'envers, qui est accrochée. Il y a une partie fixe qui fait qu'il ne peut pas aller où il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et du coup, il y a une partie de lui qui voudrait se décrocher et qui se bat encore un peu. Et une partie de lui, des fois, qui lâche et qui dit bah, « tant pis, c'est comme ça, tant pis. » Et ça lui prend beaucoup d'énergie, en fait, et son attention est focalisée là-dessus. Ce qui fait qu'il est incomplet parce que je pense que c'est sa partie subliminale hein, qui est dans cet état-là. Elle est éloignée de lui et elle perd beaucoup d'énergie, en fait. D'accord. Ok. Et qui est-ce qui a placé cette espèce d'hameçon à son pied droit? Ouais, il y a des entités, il y a un élément vraiment désagréable. Ça fait une grosse masse sombre et quelque chose qui se joue et qui est vraiment, vraiment, je ressens une grosse négativité. Elle jouit de cette situation comme si elle le considérait comme un petit être. De rien du tout et qu'elle s'amuse à le voir se débattre. D'accord. Est-ce que tu te sens hors de portée, toi? Est-ce que tu te sens en sécurité là où tu es? Oui, je me sens quand même en sécurité, mais je perçois les choses, mais moi, ça ne m'atteint pas. Parfait. OK. Alors, regarde plus précisément, quelle est cette grosse masse sombre? De qui s'agit-il? Regarde sa forme, regarde son énergie, son ADN éthérique. Ça fait comme une grosse masse musculaire. Ça m'évoque l'image d'un taureau. Je perçois des cornes
Et ça fait une grosse masse qui ressemble, une grosse masse noire qui ressemblerait un peu à un taureau. Quelque chose qui se veut assez puissant et ça me montre qu'il est retenu dans une sphère. Et je ne sais pas si ça peut être un gardien de la matrice. J'ai l'impression de que ça. Je le vois au moment, en fait, c'est un peu comme s'il était retenu au moment de rentrer dans la matrice. D'accord, tu parles de Maxime qui est retenu au moment d'entrer dans la matrice, c'est ça? Ouais, sa partie subliminale là, de cette partie-là. D'accord. Ok. C'est quoi son intention, cette espèce de taureau? C'est l'espèce de Moloch, c'est ça, non? Quand tu dis Moloch, ça me dit oui. C'est validé. Et c'est... Bah, son intention, c'est très pervers, hein, ce truc-là. C'est vraiment jouir de sa détresse, en fait. D'accord. Mais il en tire un bénéfice ou c'est juste de la jouissance? Il se sent de plus en plus puissant, plus il joue et plus il se sent puissant, lui, ça le nourrit. D'accord. Est-ce qu'il tire de l'énergie de Maxime? Ou de sa partie subliminale? J'ai l'impression qu'il y a d'autres parties qui sont venues après... se nourrir de ce vide, de ces difficultés, de ce manque d'énergie. Alors, qui vois-tu d'autre alors? Il y a une sorte de brouillard sombre qui se nourrit de l'état de Maxime. D'accord. Regarde ce que c'est que ce brouillard sombre. De qui s'agit-il? J'ai une entité démoniaque et ça me donne la nausée. Et... C'est vraiment au niveau du thorax, du ventre. Ok, tu coupes pour les sensations. Hein. Il faut que tu n'aies aucune sensation. Donc tu coupes ce qui te donne cette nausée. Il faut que tu sois observatrice, hors d'atteinte sur tous les plans et dans tous les sens. D'accord? Voilà. Donc, cet esprit démoniaque, il est tout seul ou ils sont plusieurs? C'est un groupe. C'est un groupe. Donc, c'est démoniaque. Donc là, ils sont opportunistes, ils profitent de la situation ou ils ont agi directement également? Non, j'ai l'impression que c'est des opportunistes. D'accord. Qu'est-ce qui lui crée comme problème? C'est cette sensation de vide et d'instabilité, de fatigue et de perte d'orientation aussi. C'est comme si ce brouillard, ça venait tourner autour de lui et ça lui fait perdre ses repères et ses possibilités d'incarnation franche. D'accord. Ok. Très bien. Alors, si on revient à cette espèce de Moloch, là, donc tu dis qu'il a placé un crochet à son pied droit. Oui. Est-ce qu'il a mis d'autres dispositifs ailleurs? Alors, tu peux décider que tout apparaît maintenant. Je compte à 3 et tout est apparu, même si c'est caché. 1, 2, 3. Non, lui n'a rien mis, mais c'est le système avec les autres entités. Ça inclut aussi, on dirait, peut-être des parasites ou quelque chose au niveau du dos à l'arrière. Ce sont des parasites ou d'autres entités? Oui, ça fait partie de la cohorte des opportunistes. Ah, tu veux dire démoniaques? Oui. Tu veux dire qu'ils ont posé des dispositifs eux aussi? Oui, oui, oui. Et ça, c'est destiné à récupérer de l'énergie et à... Ça, faire rester dans cette énergie de... J'allais presque dire euh,
C'est pas vraiment de l'impuissance, mais presque de l'impuissance dans le sens où ça l'empêche de se poser en étant satisfait, en fait. Je commence à voir les liens, en fait, avec... La satisfaction, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont placé comme dispositif, ces esprits démoniaques? C'est quelque chose qui le renvoie à ce vide et qui le pousse à rechercher ailleurs une partie de lui-même. Et du coup, eux, ils se remplissent de son désarroi, de cette sensation de vide, ce manque de... Ce manque de confiance, ça lui fait des vibrations basses, en fait, dans lesquelles il est obligé de se réfugier dans le sommeil ou dans le rien faire, en fait. D'accord, ok. Bien. Donc là, pour ça, ils ont mis des dispositifs ou c'est simplement leur énergie avec leurs intentions. Regarde s'ils ont placé quelque chose quelque part. Je vois comme comme une espèce d'agrafe au niveau dans le dos mais dans le dos au niveau du en dessous de l'omoplate gauche, un peu comme s'il y avait cette reliance au cœur en fait. Est-ce que ça a à voir avec le point au cœur qu'il ressent de temps en temps? Ben, j'ai cette impression effectivement et ça leur permet de contrôler comme ça une sorte de défaillance sentimentale. D'accord. Ok. Alors, généralement, les esprits démoniaques, ils n'ont pas la puissance pour mettre des dispositifs, hein. Est-ce qu'ils l'ont fait eux-mêmes ou ils sont passés par un intermédiaire pour le poser? J'ai l'impression qu'ils ont utilisé une partie du dispositif de la croche en haut, en fait. De la croche du pied, en fait. D'accord. Ouais, vraiment cette partie subliminale, elle a vraiment la tête en bas et c'est comme si eux, ils avaient utilisé ça pour faire glisser une partie et l'accrocher comme ça aussi dans le dos. Ce sont les esprits démoniaques qui contrôlent la partie subliminale ou c'est le Moloch? On l'appelle le Moloch. C'est le Moloch qui l'empêche de changer vraiment de situation, qui le bloque dans cette position-là, et les démoniaques qui le troublent complètement et qui se nourrissent de toutes ces fréquences basses. Ils accentuent, quoi, si tu veux dire, c'est ça. Et alors que les failles. Toute sa puissance, en fait. J'ai l'impression que c'est presque un transfert de puissance, parce que c'est ça, il jouit de la puissance que Maxime aurait pu avoir sur Terre. Et là, ça vibre très fort. Vraiment, ça vibre. D'accord, ok. Bien. Okay. Si tu regardes encore tous ces corps, sur toutes les fréquences, est-ce que tu vois d'autres dispositifs? Non, j'ai pas l'impression. D'accord, bien. Alors, on va regarder. Donc, le premier qui était en lien avec sa partie subliminale, c'est le Moloch. Hein. C'est depuis dans la matrice. OK. Ouais. Donc, on va aller voir combien est-ce qu'il a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur. 14 vies humaines. OK. Bien. Alors, on va aller voir avant qu'il entre dans cette fausse matrice. On va regarder d'où il vient et sous quelle forme. Dans cette boucle, bien sûr, de manifestation. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Euh,
C'est une planète rouge. Oui. C'est des énergies très vibrantes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une grande puissance. Il y a comme une essence plutôt masculine et c'est comme si ouais, je comprends pourquoi ça peut intéresser un Moloch de récupérer des énergies de cette sorte en fait. La puissance. Ouais. Ok. Sous quelle forme tu le vois là sur cette planète? À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est des êtres assez grands et assez massifs. Ils sont assez ronds en haut, au niveau des épaules. Ils sont vaguement humanoïdes. La tête est un peu plus petite. Et surtout, on ressent de ces êtres des vibrations de force et de... C'est à la fois paisible et puissant. Un grand pouvoir, une grande force. C'est comme si ils avaient une sorte de physicalité et que leur physicalité avait une force de. Je pourrais, je sais pas, ce serait. Je peux les voir déplacer des grandes roches. D'ailleurs, ils ont un lien avec la roche. Très parti, ouais. D'accord. Ils ont un lien avec la roche. Ok. Donc là, on parle bien de la partie issue de l'essence de Maxime. Hein, ouais. D'accord. Nous sommes donc cette planète, elle se situe où alors? Est-ce que c'est notre univers ou c'est un autre univers? Je dirais notre univers, mais très loin. D'accord. Dans une constellation connue par nous ou pas du tout? Non, ce n'est pas une constellation connue. D'accord. Elle est en quelle dimension, là? Cinq. Cinquième dimension? Ok. Alors, quelle est sa fonction sur cette planète? Comment est-ce qu'ils s'occupent? Quels sont ses centres d'intérêt? Quelle existence ils mènent là? Il fait partie d'un groupe et leur rôle, c'est de garder un équilibre avec la roche. Et ils ont comme un lien particulier. C'est comme si ils se nourrissaient de l'énergie de la roche, de certaines roches particulières. Et ils ont capacité de se relier à ces roches comme un lien télépathique avec certaines roches, mais ça nourrit leurs vibrations. D'accord, ok. Alors, que s'est-il passé à partir de cette forme d'existence pour qu'ils se retrouvent incarnés sur Terre? Il y a eu une possibilité de voyager au sortir de cette planète, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui lui a donné cette possibilité? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait cette possibilité? Il y a eu comme une fin de cycle. Une fin de cycle où il savait que... Il pouvait éventuellement rejoindre d'autres espaces. D'accord. Ok. Et alors, que s'est-il passé? Lui, il a ressenti comme une chute, en fait.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'il ressente cette chute? Est-ce qu'il a pris une décision de voyager ou Oui, il y avait cette volonté de voyager, Oui. mais il a comme été surpris, aspiré, il a ressenti comme une chute en fait. Il était surpris, il aspirait. Là, il est sur sa planète rouge. On est d'accord? Non, là, il a quitté déjà sa Ah, planète. d'accord. De quelle manière il a quitté sa planète? Alors, on va trop vite là. De quelle manière il l'a quitté alors, après cette décision? Il a laissé son enveloppe, il a laissé... Dans ce qu'on appelle nous sur Terre la mort, c'est ça? Il a quitté son enveloppe charnelle. Oui, ils appellent pas ça la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est ce que tu appelles la fin d'un cycle, d'accord. Donc, Ça... il quitte cette physicalité et ensuite, qu'est-ce qu'il fait alors? Mais c'est ça, il choisit de voyager et il y a comme un espace particulier qui l'attire et ça fait comme un... Je sais pas, je dirais un trou de ver ou quelque chose comme ça et... Et en fait, finalement, il est aspiré dans ce. Et j'ai l'impression qu'il quitte sa dimensionnalité comme ça, en fait. D'accord. Ok. Là, il part avec son corps de Merkaba ou simplement c'est sa simple conscience qui voyage? Simple conscience. Ok. Donc, il passe par une espèce de trou de ver. Une espèce de trou de ver. Il est aspiré où alors? Il arrive dans notre univers, Ah. dans notre constellation, dans notre... D'accord. Il arrive dans l'autre espace, quoi, on va dire. Ouais, tout à fait. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il voyage et... Est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il se pa... il passe par plusieurs planètes ou il vient directement dans l'espace terrestre? Il Étoile? est passé sur plusieurs planètes, enfin, il s'approche, mais il est arrivé après sur notre planète. Il a été attiré par l'aura terrestre, en fait, quelque chose de différent sur cette planète. D'accord. Donc il est attiré, il s'en approche, c'est ça, ou il est aspiré directement? Non, il s'en approche. Et ensuite, que se passe-t-il? Au moment où il passe, j'ai l'impression que c'est lui qui a pris la décision de s'incarner. Il est récupéré par... Il sent quelque chose qui... Comment dire, attends. Il est comme attiré aussi par... juste avant de s'incarner par ce taureau-là, Chamorek, d'accord. par sa puissance, parce qu'il a l'impression de reconnaître une signature de quelque chose qu'il connaît. Ah. Et c'est là qu'il y a un échange qui fait que... Il y a quand même comme un conseil du Moloch qui lui est donné pour s'incarner. Ah, il se présente à lui alors. Oui. De quelle manière il se présente à lui? Je veux dire, sous quelle forme il le voit? Un élément massif ça résonne du coup chez Maxime. Pour lui, ça signifie quelque chose d'assez connu. D'accord, ça le renvoie à sa précédente existence, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que donc il lui prête confiance? Oui. Qu'est-ce qu'il lui propose alors? En gros, que c'est mieux de rentrer dans cette incarnation en...
en découvrant complètement et que du coup, c'est comme s'il c'est comme s'il lui proposait de lui laisser volontairement une partie de lui pour mieux vivre ce qui se passe sur Terre. En fait, il y a une acceptation, hein. Il y a quelque chose de « ah bon, ok, c'est comme ça que ça se passe ». Tu veux dire qu'il lui remet une partie de son essence, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Bien. Donc, ce qui est sa partie subliminale aujourd'hui? Oui. Bien. Qu'est-ce qui se passe par après pour lui, hein, alors? Eh bien, il s'incarne, mais il s'incarne avec un manque de lui-même, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Donc, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Maxime prennent conscience et connaissance de cette supercherie. Oui, ça, il réagissait beaucoup, d'ailleurs, tout à l'heure. Voilà. Donc, ça fera partie de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Tout à fait. Bien. Alors, reviens ici maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur ce cursus. Oui. Voilà. Si tu le scannes encore maintenant, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Il y a un retentissement sur un retentissement énergétique, ça on l'a vu, mais ce qui touche aussi au niveau de la gorge en fait. Il y a le ventre, le haut du ventre, le thorax et la gorge qui sont touchés. D'accord. C'est touché par quoi? C'est seulement énergétique ou Oui, il y a énergétique, oui. Ok. Et ça décrit quoi comme problème? Une difficulté à communiquer, affirmer qui il est et à verbaliser, à s'exprimer, on dirait. Ouais. Ça dépose comme un voile de faiblesse au niveau de la gorge. Bien. Alors, vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Et dis-moi si tout son ADN lui appartient ou si tu envoies une partie qui serait étrangère ou des informations qui ne seraient pas issues de son essence. Non, c'est lui. C'est lui. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, il avait déjà dit oui, il était déjà OK. Pas grave. Donc, puisque nous avançons d'accord, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Ah oui. Donc, à part ce Moloch et ces entités donc, démoniaques, qui vois-tu d'autre? Non, je vois personne d'autre. Alors, donc, comme on l'a dit, jusqu'au plan archaïque, hein, jusqu'au plan archontique, jusqu'aux archontes, c'est-à-dire qu'il y a toute une hiérarchie d'entités, hein, qui sont les gestionnaires de la matrice. Généralement, on ne détaille pas, on dit gestionnaire de la matrice, et puis jusqu'en haut, on nomme les archontes pour n'oublier personne, si tu veux. Oui, au niveau de la... Oui, alors c'est comme si... Non, au-delà de la matrice, oui, il y a tout ce qui... Tout ce qui induit en fait les lois de la matrice et donc si tout ce qui est relié, oui, ça fait. Ok, donc on parle bien de gestion de la fausse matrice jusqu'aux archontes qui sont leurs responsables. On est d'accord? Oui. Alors il va déclarer à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement. Vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance,
promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et informations d'origine vues et pas vues, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Nous plaçons Maxime dans une bulle christique de protection. Il se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Maxime à présent ? Il y a de la lumière qui est arrivée, il y a une certaine pétillance déjà qui commence à s'installer et il y a la ferme intention de récupérer tout ce qui lui est dû. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Bien, maintenant je veux que tu regardes comment réagissent ces entités, à commencer par le Moloch bien sûr. Beaucoup de colère. Normal. Les entités démoniaques, j'ai l'impression qu'elles sont faussement. Elles ont préparé des choses, en fait. Oui, on va voir ça. Alors, j'ai pas bien entendu, mais donc, en ce qui concerne le Moloch, donc, il est en colère, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir s'ils prennent des dispositions. Oui, les entités démoniaques, je te dis, elles ont comme préparé des choses. Elles disent que de toute manière, elles vont revenir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elles ont préparé ? Regarde, maintenant, tu as accès à toute information. Tu es un être illimité et tu as accès à tout. Donc, tu regardes maintenant de quelle manière elles ont agi pour préparer ce qu'on appelle leur futur, qui est dans le présent, bien sûr. Elles pondent sur des traces, sur des empreintes de trauma et de... et des habitudes de fonctionnement, et du coup, c'est comme des traces énergétiques qui pourront les rappeler, en fait. Ok, mais est-ce qu'elles ont agi sur certaines lignes de temps ou pas ? Oui. Bien, combien est-ce que tu en comptes ? 6. 6 lignes de temps, voilà. Et au sein de chacune des lignes de temps, elles ont pu agir dans combien de dimensions ? J'ai 2 et j'ai 3. Parfait. Donc, on va les rassembler. En ce qui concerne le Moloch, est-ce que lui, il a pris des dispositions à part d'être en colère ? Non. Donc, il n'a pas cette capacité ? Apparemment, non. Ok. Donc, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on vire tout et tous. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Ah, tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Bien, maintenant, vérifie. La sphère énergétique de Maxime, dis-moi si tu vois qu'il reste quelque chose à l'intérieur, sur et autour. Il reste une trace, il reste comme si quelque chose n'était pas encore cicatrisé ou rempli. Ok, des traces, des empreintes, on va jusqu'aux réminiscences, d'accord ? Donc on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, vérifie si ces entités ont encore un moyen ou un autre de retrouver Maxime. Non. Comment est-ce qu'elles réagissent là ? J'ai pas d'informations. Parfait, elles ont disparu totalement. C'est bien. Alors, on va regarder maintenant le soi supérieur de Maxime. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Le soi supérieur de Maxime,
Est-ce que tu vois sur le plan moronciel ou ailleurs? Il est sur le plan moronciel. Très bien. Comment est-ce que tu vois son âme? En repli. Oui. Elle est là, curieuse de ce qui se passe, mais elle avait pris du recul. D'accord. Et sa partie subliminale, comment tu la vois maintenant? En attente, elle a déjà récupéré une partie, mais... C'est pas fini. Voilà, oui. Mais déjà, ça a dégagé quelque chose au niveau de la partie du thorax qui est déjà plus lumineuse. Enfin, il y a quelque chose d'énergétique qui est déjà mieux. Mais on n'a pas terminé, bien sûr. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'il est. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. Alors, de cet espace moronciel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Maxime pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite intégration et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Maxime. Qu'il puisse s'exprimer qui il est. Dans un sentiment de paix et de tranquillité et d'harmonie. Alors, calme, vas-y, parce que je t'ai coupé. Qu'il puisse déployer ses capacités d'action sur le réel en toute légitimité. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa physicalité à 100%? Pendant la gestation. Bien. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 86%. Tu l'invites à monter à 100%? C'est fait. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire, qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Bien. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises toutes les anomalies que tu y vois. Il y a une énergie disparate sur cet arbre et il y a un brouillard qui alourdit toute une partie. Qui vient vraiment déséquilibrer cette puissance face. Ouais. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? Eh bien, elles n'ont pas du tout les mêmes niveaux énergétiques. Et certains ne peuvent pas déployer leur capacité à leur plein potentiel. Pendant que d'autres, a priori, peuvent vivre ça plus tranquillement. Si tu regardes plus précisément celle qui est sa mère, comment tu la vois là? Celle qui, pardon? Sa mère. Dans la lignée, comment est-ce que tu vois celle qui est sa mère? Sa mère semble
plutôt. Enfin, elle je ne sais pas pourquoi, elle m'apparaît grise, elle. Lumineuse, mais un peu cachée, comme si elle cachait sa lumière. Oui. Comme si elle était parfois inquiète. Elle descend ses vibrations parfois par inquiétude. D'accord. Et celui qui est son père, comment tu le vois? Je ressens une force et quelque chose au niveau de la poitrine aussi, mais quelque chose de chaud, de lourd, d'assez fort. Et une volonté assez... Bah, je vois quelque chose d'assez abrupt. Est-ce qu'il est impacté par ce brouillard qui alourdit là? J'ai plus enfin, alors attends, parce que j'ai toute la chaleur. Ouais, il est peut-être plus impacté. Ok. Alors, comment est-ce que tu vois que Maxime est impacté, lui? Dans l'ancienne ligne de temps, du coup? Oui, bien sûr. Ben c'est ça, ça vient imprimer son énergie de quelque chose déjà de lourd, de sombre et de comme une énergie de vide qui désaxe, qui désaligne, qui désancre et qui l'empêche en fait d'avoir accès à son potentiel, à une sensation pleine d'incarnation en fait. D'accord, ok. Si ça permet le dédensifier. Le dédensifier. D'accord, ok. Tu veux dire l'éthériser, quoi, en gros. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Tu me dis quand il y est? Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière là? 37. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a comme une descente de vibration due à... Ça fait comme une pollution, comme quelque chose qui vient englober cet arbre d'autres. Et qui est derrière tout ça alors? Qui en sera le responsable? J'ai les gardiens de la matrice. Ok. C'est quoi? C'est des esprits démoniaques quoi, ou de quoi? Non, ça m'a l'air. Quoi est-ce qu'ils ressemblent? Peut-être au-dessus. J'ai quelque chose qui vient comme imprimer des nouvelles règles, qui vient créer des règles et qui installe des dispositifs et qui par là pollue en fait les vibrations. D'accord. Il s'agit de qui là? Je dois pas avoir les mots, je perçois une entité. Oui, c'est des entités puissantes, non? Oui. Est-ce que c'est plutôt démoniaque ou ça serait encore au-dessus, genre Archonte? Ben, Archonte, j'ai l'impression. Ah,
D'accord, ok. Très bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui, il monte ses fréquences de manière assez, assez forte, assez puissante. D'accord. Il monte, il est au-delà de tout ça. Donc, il sort de leur champ de conscience, c'est ça? Et Oui. donc, parfait. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Je vois que non seulement il reçoit, mais il irradie d'une nouvelle lumière, d'une énergie qui le pénètre et qui fluidifie l'ensemble des énergies et des communications, ce qui fait que chacun en profite en fait. Ça, il n'y a pas de déséquilibre ici. Parfait. Comment est-ce que tu vois que Maxime est impacté maintenant? Comme nettoyer, rééquilibrer, il y a un alignement qui peut se faire, qui est en train de se faire. Bien. Ok. Alors. Rapprocher de la partie physique. Comment? Il peut se rapprocher de la partie physique. Bien. OK. Alors, maintenant, attends, je te demande un instant, s'il te plaît. Je vérifie quelque chose, hein, excuse-moi. Je te demande un instant. Alors maintenant, donc tu vas l'inviter à envoyer de l'énergie et de l'information, donc dans sa lignée, hein, de l'énergie de communication par le cœur et d'ouverture de conscience. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? C'est comme un vortex qui fait que il y a comme des canaux qui s'ouvrent et vraiment un équilibre et des possibilités de communication. Très bien. Donc invite-le maintenant à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Tu connais le terme concrétiser? Tu vois de quoi il retourne? Oui. Ok. Donc, je te le répète quand même, c'est de faire descendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Hein? On est d'accord. Bien. Maintenant, demande-lui ce qu'il compte faire avec son arbre. Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il veut couper une partie. Quel pourcentage? 20%. Ok. Et il réaménage le reste, qu'est-ce qu'il fait? Il réaménage et réinforme. Ok, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien, maintenant on va regarder son ADN. Alors, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Le refaire. Bien, alors on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans. Multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation.
Oui. Alors, combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6. 4 sont connectés. D'accord. Et donc 2 non connectés. Ok. Est-ce que tu peux donc reconnecter les deux autres? Oui. Reconnecter et activer. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes? Il y a de nouvelles informations de force qui circulent et de comme une quelque chose une force tranquille, quelque chose qui convainc. C'est vraiment le mot convaincre qui comme s'il y avait quelque chose de sûr en lui. Et c'est comme un nouveau programme, effectivement, qu'il réadapte, qu'il réaccorde à qui il est maintenant. Ok, une certitude, une confiance en lui, Oui. une estime de soi. Physiquement. Très bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors maintenant, on va s'occuper des programmes art quantique et de ceux de l'intelligence artificielle. Puisque bien qu'on a refait l'ADN à neuf, on est quand même dans le système art quantique au sein de la matrice. Donc il y a encore ces programmations qui s'installent automatiquement. Et pour ça, nous allons tous les désactiver et les désinstaller. D'accord? Tous les programmes de séparation, dualité, limitation, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa partie physique, de toutes ses parties, de sa conscience. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui. Alors, on délimite tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Il les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 92%. Ok, tu l'invites à monter à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme. Et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une sécurité intérieure parfaite, et l'amour qu'il est. Oui, je souris parce que je perçois ces changements en même temps, c'est sympa. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Je te laisse te connecter à Maxime. Oui, il est là. Parfait. Et je vais conseiller à Maxime d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum
et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Voilà. Donc, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, promesses, alliances, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la science et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, c'est bon. Bien, alors nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Maintenant, il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux des perceptions, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Maxime, tout y est proposé, il fera lui-même le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance,
pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Bien. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de le repérer. Non, pas de traçage, de marquage, mais par contre, mais ça on va probablement le voir après. Encore des mémoires. Oui, ça va se faire après. Ah, ça, c'est la deuxième phase. Ok. C'est tout ce qui permet de le repérer, en fait, en traçage, marquage et voilà. Hein. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a plus rien. D'accord. Rien. Alors qu'il va intégrer tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est comme si, effectivement, il s'incorporait, comme s'il s'incorporait presque pour la première fois, il se regonfle. Il prend notion d'une certaine force qu'il avait comme oubliée, comme il y a un vrai plaisir, je dirais presque une nouvelle jouissance de ce corps. Ok. Alors c'est le moment où il profite généralement pour recréer les connexions avec la fleur de vie, la graine de vie. Est-ce que tu vois que c'est ce qu'il fait? Oui. Ok. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Alors, il demande à son élémental de procéder aux harmoniations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui.
La molécule mère à la molécule primordiale. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Donc stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit l'origine, la nature et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vaccination. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. Oui. Et à présent, il crée son code de vie et l'active également. Oui. Voilà. Est-ce que tout va bien pour toi pour l'instant? Oui. C'est tout clair pour toi? Oui. Parfait. Alors, on continue. Donc, maintenant, que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé, concrétisé, bien sûr, tout ce qu'on a fait. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. Il déploie à partir de son chakra du cœur une onde tourbillonnante et puissante, bleue et dorée, qui s'expanse et qui englobe tout son espace physique et énergétique et qui se stabilise en un espace de haute fréquence sécurisée. C'est bon. D'accord. Et ensuite, que se passe-t-il? C'est ton énergie qui traverse chacune des vertèbres, qui correspond à chacun des organes. Il vient se centrer dans cette sphère de sécurité. Il bouge lentement son atlas. Et ça déploie une onde qui descend le long de la colonne vertébrale de haut en bas.
et qui vient proche de chaque vertèbre, qui les relie les unes aux autres, et qui vient relier chaque vertèbre aux organes et systèmes auxquels elles sont liées. Cette onde prend de la puissance au fur et à mesure qu'elle descend, et elle vient pulvériser et expulser, une fois arrivée au coccyx, des masses denses et sombres, qui sont des mémoires concentrées et des traumatismes. C'est fait. Parfait, super. Donc expulsé en dehors de sa bulle, bien sûr. Parfait. Donc, à présent, il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Système cérébrospinal. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, cartilage et bien sûr articulation et tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé, oui. Système visuel. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui lui permet d'accorder ses différents organes et systèmes avec des vibrations et des fréquences qui équilibrent les choses. Ça vient réinformer et réinitialiser
une nouvelle physicalité, un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien, alors micro-kiné. Ça active différents points référentiels. Et ça active un équilibre. Voilà, ça déploie donc les corps énergétiques et ça les harmonise. Est-ce que c'est ça que tu vois? Oui, ça déploie, oui. Très bien. Maintenant, massage métamorphique. Oui, ça équilibre les énergies. Voilà. OK. Donc maintenant, tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises tout ça. Oui. À présent, nous allons procéder au système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit nettoyée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, inhumé. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 6. Oh, il y en a minimum 7, ça correspond à chacun des chakras. Regarde. Okay. Non, mais c'est pas grave. Regarde mieux. Parfois, c'est 8, ça dépend des personnes qui ont déployé ou non un huitième corps. Non, ce serait plutôt 7, alors là, oui. 7, d'accord, ok. Bien. Alors maintenant, tu me dis quand c'est terminé. Bon. Alors, centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. À présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu encore en arrière-plan? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Et là, est-ce que tu en vois d'autres? Non, c'était... Mais oui. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper des programmes de vieillissement donc au sein de l'ADN, des cellules, de sa biologie. Pour cela, on va utiliser la loi de l'inversion et on va en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Tu me dis quand c'est fait? Oui. Alors tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises tout ce qui a été fait. Oui. On va s'occuper maintenant de l'équilibrage et de l'harmonisation des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, le masculin sacré et le féminin sacré. Donc, il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Alors, donc, où l'ai-je mise d'ailleurs, cette liste? D'accord.
Alors, le premier point qu'a évoqué Maxime, c'est cette fameuse pointe au cœur. Regarde donc d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était la graffe qui était positionnée, qui était là pour le faire vaciller un peu plus quand il y avait peut-être même parfois un peu trop d'assurance. Ça venait redescendre ses fréquences. D'où la perte de confiance en soi, etc. Ok. Bon, alors maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Peut-être des échos, des... Alors souvent, c'est les traces des mémoires, tu vois, des réminiscences. Il y avait réminiscence, là, c'est presque rien. Mais il y a quelque chose. Est-ce que tu vois qu'il y a éventuellement des programmations d'habitude de fonctionnement d'élémental en réaction ou pas? Oui, je rajouterais même jusqu'à quelque chose pour l'instant d'identitaire. Donc des programmations et des habitudes de pensée, des programmations, des façons de se percevoir habituelles. D'accord. Alors on va éliminer tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise l'ensemble. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder son système endocrinien avec hormonal et immunitaire. Comment les vois-tu? Il y a des cristallisations. C'est pas fluide. Ça pourrait être plus fluide. Ok. Est-ce que tu vois qu'il peut y avoir des décalages? Est-ce que tu vois qu'il y a des programmations de fonctionnement, des habitudes de fonctionnement ou autre? C'est des mémoires traumatiques. Mémoires traumatiques, là, ça a commencé à travailler. Je l'ai senti tout à l'heure avec les sanskaras qu'on a virés. Et c'est encore des mémoires de souffrance. Ok. On élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, je pense qu'on peut le refaire une fois. Alors, ok. Alors, on élimine encore ce qui reste en arrière-plan. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois que c'est complet ou est-ce que tu verras encore une troisième fois? Non, c'est bon. Parfait. Jusqu'aux réminiscences. Réminiscence peut-être, oui. Voilà, hein, on va jusque-là. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, c'est passé. Voilà. Donc maintenant que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise ensemble, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale qui produit la valantonine, qui est cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et tous les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite. 82. Alors, tu la programmes à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, c'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder à présent le système neuronal, système nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Comment les vois-tu?
Il y a des empreintes avec écho et résonance. Pour ton information, il peut y avoir aussi des décalages parfois entre les systèmes, tu vois. Oui, ça vient décaler, et ça fait comme un voile qui empêche la bonne communication, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des programmations, d'habitude de fonctionnement ou autre? De réaction ou de l'élémental? Oui, de plus des habitudes, effectivement, de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Alors, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Voilà. Donc, regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Bah, il me montrait que c'était pas mal, en fait. Mais je pense qu'il y a des empreintes. Est-ce que tu as des reconnexions, des ajustements à faire ou pas? Oui, un petit peu. Pour que ce soit vraiment en équilibre. D'accord. Donc, tu dis que tu as vu des empreintes encore? Oui. Bon. Ce qui vient de déséquilibrer très légèrement. Ok, alors on les élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc tu reconnectes tout ce qui doit l'être, cerveau droit, gauche, pour finaliser et harmoniser. Oui. Voilà. Dans le système neuronal, est-ce que tu vois des reconnexions à faire globalement? Oui. Alors allons-y, tu me dis quand c'est fait. Oui. Plus spécifiquement dans le système neuronal encore, est-ce que tu vois des reconnexions à faire en ce qui concerne les zones de la mémoire, des systèmes cognitifs et des fonctions des sens? Des fonctions? Des sens, des cinq sens. Fonctions sensorielles. Au niveau des cinq sens, oui. Voilà. Après, mémoire cognitive. Non, ça c'est bon, c'est au niveau des cinq sens. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Au niveau du système nerveux central et toutes les terminaisons, est-ce que tu vois que là aussi des reconnexions à faire spécifiques? Oui. Allons-y. Au niveau ORL et visuel, est-ce que tu en vois là aussi? Oui. Allons-y également. C'est bon. Et au niveau des systèmes respiratoires? Oui, il y a des... Des empreintes. D'accord. Des empreintes, ok. Il y a encore des mémoires de souffrance ou des choses comme ça, non? Oui, c'est ça. Allez, on y va. C'est un peu plus léger, mais c'est déjà en partie travaillé, mais il reste des choses. Ben, on ne laisse rien jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, il n'y a plus rien, tu es sûr? Non, là, c'est bon. Bien. Alors maintenant, on va regarder les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Comment les vois-tu? Bien amélioré, mais il y a encore des empreintes, et notamment au niveau des jambes, et du coup, de mémoire de lourdeur ou de... Il y aurait une fragilité là qu'on pourrait. D'accord. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de programmation de fonctionnement, d'habitude de fonctionnement. Oui, habitude de fonctionnement, programmation. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Des traumatismes éventuellement. Oui. Allez, idem.
sur tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Alors que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise ensemble et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder le système digestif et métabolique avec tous les systèmes d'élimination, d'évacuation. Oui. Alors, comment est-ce que tu les vois? C'est plutôt pas mal. Je dirais qu'il y a encore des traces, des programmations, de sensations. Mmh. Ok. Programmation de fonctionnement, non? Des traumatismes? Oui, c'est ça. Enfin, oui, je pense qu'on dit les mêmes choses, mais ça, j'utilise pas tout à fait le même vocabulaire que toi, mais oui. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que... Voilà, on parle de la même chose, donc on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être, chacune des parties et l'ensemble. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Voilà. On harmonise tout ça, établisse, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc on va revenir sur ces points. Donc, le fait qu'il procrastine, voilà, il a comme il a une très grande flemme, il remet tout au lendemain. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, que se passait-il du moins? C'était le fait que toute sa puissance remplissait l'entité et que lui, il ne lui restait pas grand-chose. Et en plus, comme il n'était pas en communication avec sa part subliminale, il perdait effectivement en puissance de création dans son incarnation. Donc ça, bien sûr, c'était avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Que reste-t-il de tout ça? Il pourrait y avoir des programmations, des croyances limitantes. Oui. Tu vois d'autres choses? Non, enfin, il y aura peut-être des programmations d'habitude. Ah, d'accord. Habitude de fonctionnement. D'accord. Oui. Ok. Bien. Alors, on va éliminer tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc là, il va prendre conscience de sa connexion avec la source. Par son intention et par l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Oui. Il en active tous les ressentis, sensations, émotions, perceptions, sentiments, etc. Oui. Il peut ressentir maintenant pleinement sa pleine nature, sa nature essentielle, sa complétude, sa sécurité intérieure, sa puissance intérieure, l'amour qu'il est. Comment le vois-tu maintenant et comment se sent-il? Il se sent plus complet. Il se sent plus fort aussi, plus apte. Il a encore ce mot affronter, mais comme affronter la vie. Et ça, c'est. Il est quand même plus léger, plus harmonieux, en équilibre dans ses énergies intérieures. C'est plus dynamique, c'est plus fluide. Qu'est-ce que ça les fait ressentir alors? C'est-à-dire? De la satisfaction, du plaisir, de la joie de vivre, qu'est-ce que... Ça, c'est... C'est important de l'exprimer parce que ça constitue... Il va redécouvrir vraiment une façon de fonctionner sur Terre avec presque des nouveaux sens dont il va jouir. Avec plus de conviction, ce qui fait que effectivement, il y a une joie, une curiosité d'être et de vivre. D'accord. Et le plaisir, important plaisir.
Oui, c'est ça, c'est la façon, cette nouvelle façon de vivre ses sens qui va lui apporter ce plaisir. Bien, alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séluminale, jusqu'à son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bien, alors autre point, donc il se sent en dépendance affective, dans les relations amoureuses, lorsque une relation se rompt, d'ailleurs qui ne dure jamais longtemps. Qu'est-ce qui se passe là? C'était le manque de lui-même, le manque de cette partie, et le, en fait aussi c'était le jeu des entités en fait, qui le faisait rebondir comme ça à chaque fois qu'il... il avait quelque chose, ça, il y avait une insatisfaction de fond qui était particulièrement animée par ces entités démoniaques. C'est ça, une insatisfaction de fond et qui fait que et un manque de lui-même. Ouais. Du coup, pas incarné, il ne pouvait pas faire perdurer une relation en fait. Il était comme dans une bulle en retrait, et du coup, de cette bulle en retrait avec une mauvaise image de lui-même, il ne pouvait pas maintenir de lien affectif. Ah. Alors, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose de tout ça, ici et maintenant? Non, il est beaucoup plus complet. Il est plus sûr, il y avait quelque chose de c'est ça, de... Il n'est plus le même, les informations même du corps et son incorporation, je dirais, n'est pas du tout la même. D'accord, parfait. Donc là, c'est résolu alors. Oui. Tiens. Alors, donc, insatisfaction au travail, chaque fois qu'il vise à avoir une activité, qu'il en a l'enthousiasme, et une fois qu'il l'a, ça ne l'intéresse plus. Il veut passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Manque de fierté de lui-même. Manque de c'est ça, et puis ces entités qui le font rebondir d'une activité à l'autre pour que jamais il se sente complet ou accompli ou fier. Ok, alors est-ce qu'il en reste quelque chose maintenant? Plus rien non plus? Parfait. Donc il va s'installer une programmation lui-même, donc selon laquelle que toutes les portes lui sont ouvertes, qu'il a le droit au meilleur, qu'il se l'autorise et que tout lui est possible. Que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit matériel, dans tous les domaines de sa vie. Maintenant, il sait qu'il va pouvoir profiter de tout cela, que tout lui est ouvert, permis et accessible. Et il en prend du plaisir et de la joie. Oui. Comment le vois-tu à présent? Plus nourri de lui-même, plus en contact, centré, aligné. Et du coup, plus sûr de lui, mais aussi ouais, plus complet, le fait qu'il ait récupéré une proximité avec tous ses corps. Ça amène une vraie paix et beaucoup de possibilités de concrétiser des choses et de percevoir ces concrétisations en fait. C'est comme s'il ne les voyait pas tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que ça ne le satisfaisait pas. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est clair pour lui, il le ressent, c'est ça? Oui, oui. Et il s'en réjouit. Oui. Parfait. Donc, il y avait encore deux autres questions, mais comme elles sont inhérentes à tout ça, je pense que c'est réglé. Le fait qu'il se sent stagné dans sa vie, hein, qu'il vit sa vie par procuration, voilà. Il était bloqué, en fait, de toute manière, donc il avait se ressenti bloqué. Donc, tout ça, c'est inhérent, donc on ne va pas y revenir là-dessus. C'est tout réglé. On est d'accord? Oui. Bien, alors maintenant, on va regarder son corps mental, avec toutes les programmations, donc limitantes, et les croyances qu'il en a développées. Ben, il avait des programmations de fragilité, de,
d'impuissance. Et il ne pensait pas qu'il pouvait dépasser ça, en fait. Du coup, il était dans des habitudes de fonctionnement à cause de ses programmations. Ok. Et quelles sont les croyances qu'il développait à partir de ça, alors? C'est ça, qu'il ne pouvait pas construire, qu'il ne pouvait pas construire ni au niveau professionnel, ni au niveau sentimental. Et cette croyance se manifestait d'autant plus. Très bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pensent à présent toutes ces autres parties, avec tout ce qu'elles ont vu, compris, entendu et intégré? Elles ont compris qu'elles n'étaient pas ça et qu'elles ont pris de la hauteur. Et du coup, c'est comme si elles communiquaient à présent et il y a un vrai canal. Et du coup, c'est ça, c'est de la communication entre toutes ces parties. Et du coup, il y a beaucoup de possibilités. Tout lui est possible maintenant, c'est ça? Tout à fait. OK. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça maintenant à éliminer? Il peut y avoir encore des programmations. Habitude de fonctionnement, programmation. Oui. Hein? Des traumatismes éventuellement ou pas? Mémoire traumatique ou pas? Ça a l'air nettoyé. Ok. Programmation, habitude. D'accord. Donc on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, je veux bien encore une fois. Ouais, alors, allez, 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Tout est libéré là? D'accord. Alors, on va revenir sur l'ancienne ligne de temps. Je veux que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. C'était très... Attends, comment je pourrais te dire? C'était un enchevêtrement de beaucoup d'émotions, comme des couleurs qui se mêlent, et c'est beaucoup de tristesse, de colère, de sentiments d'impuissance, de. De manque de regard sur soi, en fait, et de et du coup, voilà, des sentiments de fragilité. Vraiment à l'inverse de sa nature, en fait. Et tout ça, ça lui prenait de l'énergie. Ah ben oui. Voilà. Bien. Alors, donc maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures qui sont, je le rappelle, attends, excuse-moi. Hop. Voilà. Qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez lui et comment s'exprime-t-il? Comment s'exprime-t-elle, pardon? J'en perçois surtout 3 quand même sur les 5. Et il y a la trahison et l'abandon, l'incompréhension de cette situation d'incarnation et de se sentir complètement lâché par... par les parties supérieures et par voilà, des conditions d'incarnation qui lui semblent presque insurmontables parfois, et de l'incompréhension, voilà, c'est ça, qui augmente un désarroi. Mais il y a aussi l'humiliation de cette situation, en fait, de la partie subliminale. Ok. Donc, bien sûr, pour ce qu'il ressent par rapport à ses parties supérieures qui l'ont abandonné, c'est ce qu'il ressent, mais ce n'est pas la vérité. Hein. C'est un ressenti personnel. On est d'accord. C'est un ressenti suite à la situation, mais c'est une expérience de vie. Et maintenant, il y a des choses, des parties de... Comme il est reconnecté, en fait, il peut percevoir ces changements durs. Très bien. Ok.
Alors, je rappelle bien sûr que ça, il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour que tu comprennes comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce qui reste de tout ça? Non, c'est bon, c'est réharmonisé, rééquilibré. Il n'y a pas l'habitude de fonctionnement, il n'y a pas de mémoire traumatique, il n'y a pas de. Plus rien du tout. Pas d'attachement à quelque chose. Non, ça va être plus des vides, une reconstruction de nouvelles habitudes, en fait. Et du coup. D'accord. Donc là, tu vois qu'il ne reste plus rien. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Eh bien, tant mieux. Donc, à présent, il va prendre conscience, du moins, il va rester en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque en activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Avec particules à l'intérieur, sur et autour de lui également. Comment vois-tu maintenant, Maxime? Mais là, effectivement, il y a un rayonnement, il y a un dynamisme, il y a une force retrouvée, il y a comme un rajeunissement, il y a comme. Un désir de vivre, d'expérimenter et d'explorer ces nouvelles perceptions. Et ça les fait ressentir quoi là? De la pétillance, de la joie, du plaisir, de la légèreté, de la facilité. Alors, qui est premier temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui, ça le remplit. Oui. Et il installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, à chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. À présent, nous allons partir de la source. Je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons habituellement la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment le vit-il avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Il a un regard neuf sur tout cela parce que il comprend que il avait toutes ces programmations de, j'allais dire, de jeu de vie. Et, du coup, il a de la hauteur par rapport à tout ça. Ok. Alors, on complémente aussi par le fait qu'il s'efforce de se souvenir maintenant de qui il est, hein, de quelles sont ses capacités, d'où il vient. Et donc, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les situations, quels que soient les événements. Il garde tout ça en mémoire en lui. D'accord? Voilà. Bien. Alors, que ressent-il à présent au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités, voire de cette existence en tant que Maxime? Il y a un petit moment, il a envie de comme jouer à expérimenter et à voir ce qui se déroule et ce qui vit dans des expériences d'incarner avec tout ce que ça inclut. Mais il y a une curiosité. Voilà, il est pressé d'expérimenter et de voir comment il concrétise les choses. Et ça lui fait ressentir quoi?
Une joie de vivre, une tranquillité aussi, une paix. Très bien. Du plaisir aussi, peut-être? Oui, c'est ça. Ok. Alors qu'ils prennent là aussi le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Il ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, jusqu'à son âme. Oui. Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il ressent également ce sentiment de légitimité et de dignité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui, c'est une partie importante pour lui, il ressent tout ça jusque dans son ventre. Voilà. Et maintenant, il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Il revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Comment vois-tu notre Maxime à présent? Il est en paix en fait. Il est en paix, confiant. Et ça réinforme vraiment tout le corps, ce qui fait qu'il a vraiment de nouvelles sensations. Comme s'il pouvait ressentir son corps vivant, chaud et connecté. Il est pleinement connecté à ce corps. Très bien. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien, et bien on va passer aux invitations. Donc il a nommé sa mère, son père, sa sœur, sa grand-mère maternelle, sa famille en général, les amis, tous ceux à qui il pense. Voilà, c'est pas limité. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et il leur propose de prendre conscience et connaissance, chacun respectivement, de leur propre situation sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, est-ce qu'ils acceptent tous un coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans une bulle critique de protection. Se créer des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Maxime pour lui-même, adapté, bien sûr, chacun à sa propre situation. Oui. Et continue, donc, sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Ça pétille de partout. Ça pétille, ça crépite. Bien. Est-ce que c'est bon?
Alors, on va passer au désincarné. Donc, il a nommé son arrière-grand-mère paternelle. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelles conditions, quelle situation. Elle est sur un plan assez lumineux. Elle a encore son regard tourné vers la terre. D'accord. Et dans quel état émotionnel à peu près? Donc elle est comme en attente. Ok. Bien. Identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Alors, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle monte en fréquence et elle se dégage de certaines dernières programmations. Certains liens, certaines mémoires, elle reprend comme un allègement, une neutralité. Elle a fait vraiment monter en fréquence. Ok. Demande-lui ce qu'elle veut faire à présent. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté et liberté? À la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur le plan terrestre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Bien. Alors avant de remonter, et tu la retiendras, tu la laisseras partir tout de suite, hein? Avant de remonter, demande-lui si elle veut s'exprimer envers Maxime et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre. Elle remercie, elle se sent tellement plus légère. Elle a commencé à avoir des perceptions différentes, même si elle était déjà... montée en partie, elle perçoit les choses différemment maintenant des jeux qui se passent sur Terre. Elle envoie beaucoup d'amour à ceux qui jouent encore, à tous ceux qu'elle connaissait. C'est très doux et c'est émouvant. Tu me dis quand c'est bon, tu la retiens. Hein? C'est bon. Bien. Alors, est-ce que tu peux lui demander si elle peut envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Maxime des énergies et des informations pour que toutes les âmes qui se désincarnent puissent avoir la même opportunité? Oui, elle l'a fait au moment où tu le disais. Parfait. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Eh bien, nous pourrons la saluer et la remercier. Elle envoie beaucoup d'amour. Elle monte. Parfait. Regarde si elle sort bien de la fausse matrice. Oui, oui. Bien. On peut revenir à Maxime? Oui. Alors, regarde s'il a des liens toxiques. Oui. Alors, il va tout couper les liens et dissoudre toutes les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Envoie-tu en arrière-plan? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu en vois encore? En arrière-plan, oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui, c'est bon.
Et donc, c'est ce qu'on a éliminé, c'est les réminiscences ou c'est encore d'autres liens? À la fin, c'était les réminiscences. D'accord, ok. Bien, maintenant, il va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Il ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes tenant les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie. Ah, déjà, excuse-moi, du plan mouvementiel, il récupère toutes ses énergies. Important. Voilà. À présent, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qui peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir dès maintenant et apprécié, et dont tu peux profiter si tu veux également. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite. Il place sa conscience dans l'espace morentiel. Pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flotte de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Et à présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Comment ? 6 hélices. D'accord. Donc, il n'y en a pas plus que tout à l'heure. Non. Ok. Est-ce que les 6 sont pleinement activés et connectés? Oui. Très bien. Bien. Est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Alors allons-y et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. C'est des programmes de stabilisation d'un état dynamique. Euh,
un programme d'ouverture. D'ouverture à ce qui peut arriver. Comme un programme de positivité, de voir la vie de manière plus positive au fur et à mesure que le temps passe. D'accord. Est-ce que tu veux dire que ça permet l'ouverture de nouvelles lignes de temps ? A beaucoup de possibilités, oui, de nouvelles lignes, oui. Ok, tu me dis quand c'est fait ? C'est fait. Alors, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance ? Pleinement. Tu donnes une fourchette de temps, hein, entre temps et temps. Entre 8 et 12 mois. D'accord, entre 8 et 12 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels ? Les effets rapides, c'est un apaisement intérieur, une acceptation de ce qui est, et de la joie, du plaisir à être. Des nouvelles perceptions de sensations aussi, comme s'il y avait une nouvelle jouissance à ressentir les choses. Alors, est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 12 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance ? Il va y avoir des périodes de fréquence un peu plus basse et c'est dû à la disparition de ces anciennes références avant d'en avoir de nouvelles. Et aussi, des questions. Du coup, ça va ouvrir des questionnements. Le mental, l'ego va se poser des questions. On va se demander si c'est bien ça, mais c'est que par petits moments. D'accord. Et donc, il est tenté de reprendre les habitudes, de s'accrocher au connu, c'est ça ? Oui, mais maintenant, il y a une bonne communication avec l'entièreté de ce qu'il est et le fait de se sentir rempli, ça va changer les choses. Très bien. Donc, pour soutenir toutes les parties de Maxime, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Il se sent accompli. Il se sent en capacité de jouer avec la vie et de faire des projets et des projets qui sont comme des étapes. Mais il joue avec ces étapes-là et il est assez content. Et aussi, il est beaucoup plus dynamique. Là où il y avait de la lourdeur et de la difficulté avant, il écoute son corps et il y a une vraie complicité pour faire les choses. Et qu'est-ce que lui fait éprouver ? Ah, mais de la joie, du plaisir à vivre, du dynamisme, de la légèreté. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, voire de le déguster. Oui, le déguster, c'est le bon mot. Et il ramène tout ça ici et maintenant, dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, jusqu'à son âme. Oui, c'est fait. Et pour chacune de ces parties, ça devient du connu, ça devient une nouvelle référence, et même des habitudes qu'il peut programmer et installer dès maintenant. Oui. Donc, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Parfait. Maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. L'atmosphère pourrait être allégée.
Dû à ces anciennes énergies, en fait, un peu plombantes, un peu stagnantes. D'accord. Alors, est-ce que tu vois dans les sous-sols des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Il y a des petits mouvements ésotériques dans les sous-sols. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ancien défunt, je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que ça l'impacte lui? Ça peut être en écho en fait avec l'atmosphère, l'énergie qui est là pour l'instant dans son appartement. Ok. Alors, quand tu dis un ancien défunt, c'est-à-dire quoi que tu vois une présence là d'un désincarné, de quoi s'agit-il? Je vois comme alors je n'avais jamais vraiment vu, mais comme deux, trois, je qualifierais de deux, trois âmes errantes qui sont là et qui sont comme perdues, désorientées et qui stagnent en dessous. D'accord, ok. Tu peux t'adresser à elle? Ouais. Alors demande-leur si elle veut être aidée. J'ai l'impression que ce sont des... Ça peut être des empreintes de désincarnés? Oui, ça peut, bien sûr. Des mémoires, bien sûr, tout à fait. Mais des C'est plus mémoires. Boum. voir que quand je m'adresse à elle, ça réagit pas trop en fait. Ok, bah, ce qu'on va faire, on va ouvrir un portail dimensionnel, hein, et on va les sortir d'ici, d'accord? Et elles prendront des portails successifs jusqu'à ce que ça leur convient, d'accord? Allez, on ouvre un portail et tout le monde s'en va. 1, 2, 3. Tu refermes le portail. Oui. Voilà, il n'y a plus rien? Non, plus rien. Très bien. Donc, il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer à l'intérieur, la mémoire des murs, meubles, objets, tout ce qu'il contient. Il nettoie partout. Voilà, partout où il sait que c'est nécessaire. Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double lémniscate activée. Voilà. Sur son compteur électrique, alors je ne sais plus, c'est un Linky, dis-moi oui ou non. C'est un Linky? Oui. Alors, tu vas créer un multicoque sur son compteur Linky que tu programmes indestructible. Oui. Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Par-dessus encore, il installe fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activé et sécurisé. Maintenant, sur tous les plafonds, il va installer un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie, Oui. qui vont produire un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, sécurisé et régénérant, avec une respiration ample et profonde, et un son et un parfum qui se modulent, et on sécurise tout ça. Oui. On remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Il le met dans une multicycle de protection, et lui également. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience. Et tu sécurises, bien sûr. Oui. Tu relis le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Tu crées une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie, dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui, c'est important pour lui. Par-dessus, il installe une fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Et bien sûr, autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise également. Oui.
Maintenant, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Enfin, on va installer une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, il le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Voilà. Et pour accélérer donc la manifestation de tout ce qui a été fait, durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. On est en connexion directe maintenant avec le supérieur. D'accord. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner? C'est sa partie physique qui va donner le ton des choses et qui, juste par son intention, va garder intacte cette communication, une communication puissante et sécurisée, dans une tranquillité d'esprit, une assurance, juste à poser l'intention et à cette reliance. Parfait. Donc, il suffira bien sûr, Maxime, de se souvenir de ses recommandations, hein, et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme à présent ? Elle est, je vais dire, satisfaite, calme, en observation, en hauteur. Elle est en paix. Est-ce que tu vois qu'elle est allégée, qu'elle est plus légère quand tu la vois? Oui, elle est légère, elle est des vibrations harmonieuses et tranquilles. Et sa partie subliminale, comment la vois-tu? Elle est affairée et elle est fière de toutes les connexions qu'elle est en train de faire et complice, fière de ce qu'il va ressentir à présent. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Maxime, en ce jour de renaissance pour lui, et en plus de son anniversaire. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est super émouvant à voir, c'est génial. Ouais. Bien. Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Mm-hmm. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, nous y compris, évidemment. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lumiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Maxime avant la séance et quelle est-elle à présent? Il était à 56. Il est à 88. D'accord. Bien. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective.
Oui. Alors, est-ce que tu es prête pour le retour? Parfait. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Comment te sens-tu, Laurie? Très bien. Magnifique, super. Impeccable, hein? Franchement, là, il n'y a rien à dire, tu as été génial. Maxime, tu peux remettre le son? C'est tout bon. Voilà, et nous t'écoutons alors. Qu'est-ce que tu peux nous partager de ce que tu as ressenti, de ce qui a été dit? Eh ben, disons que j'ai eu les réponses à mes questions. Je me Oui. sens un peu vidé là. Voilà. Mais bien, je me sens bien. C'est normal, c'est l'énergie, c'est le travail qui se fait. C'est nickel. Donc ça a du sens tout ça pour toi? Oui. Ah oui. D'accord. C'est vraiment cool les surprises que tu vas avoir, à mon avis, hein. Dans tes ressentis et tout ça, ça va être quelque chose. Ben, j'ai hâte. Ouais. Voilà, donc mon conseil, c'est de revoir ta vidéo, hein. Ouais, Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, il se passe beaucoup de choses, donc c'est important que, voilà, que tu la revoies. Bon, dans la première partie, bien sûr, les entités, tout ça, c'était avant, il n'y a plus, hein. Tu prends que l'information, c'est tout. ouais. Et puis, de la revoir entièrement, dans la deuxième partie, bien sûr, ça stimulera les énergies quand, dans les moments où tu en auras certainement besoin. Donc, n'oublie pas de t'en servir. D'accord? D'accord. Voilà. Et puis, tu as bien compris que maintenant, la balle est dans ton camp, on a fait notre travail, maintenant, toi, tu vas faire le tien. Ouais. C'est-à-dire rester confiant, optimiste, quoi qu'il se passe, même pas peur, même pas mal. Plume de canard, ça me glisse dessus. Hein? C'est ça. D'accord? Voilà, et Ouais, ça bon, va. à toi. On va Voilà. jouer. Voilà, donc bah, écoute, on attend de tes nouvelles, Maxime. Tu nous diras comment les choses se passent pour toi. Ok, ça marche. Pas de Voilà. problème. Ok. Ben, merci. Donc, ta vidéo, on peut la publier en flouté? En flouté, oui, pourquoi Hein? pas. Ouais. Ouais? Ok. Eh bien, écoute, t'es d'accord avec ça, Laurie? Hein? Ok. Eh bien, on va la publier. Allez, on Ça va te souhaiter marche. une bonne fin de journée et à bientôt, Maxime. Ben, merci. À vous Je aussi, bonne vais journée. rester un peu avec Laurie. Ça marche. Au Au revoir. revoir.